Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu délicat, un peu sensible parce qu'il touche à l'intime et puis il est victime de nombreux jugements moraux. Donc je vais essayer de pas tomber dans ces ornières-là. En vous parlant du poil qui est mal aimé dans nos sociétés et surtout du coup de l'épilation qui est un phénomène très majoritaire, pas forcément intégral mais en tout cas majoritaire dans nos sociétés, y compris chez les naturistes. Qui étaient plutôt réputés pour être très nature et donc le poil y a une place légitime. Or, chez naturistes, il y a quasiment 0% de 100% naturel, que ce soit des hommes ou des femmes. Et à l'inverse, il y a même une immense majorité aujourd'hui de d'épilés intégraux. Et en plus de ça, ce sujet de l'épilation intégrale, donc là qui touche surtout le pubis, mais déjà tout le reste du corps est épilé, les aisselles, les jambes, etc. Ce sujet apparaît en numéro 1 dans la position des centres d'intérêt sur les forums naturistes. Et lors des discussions, s'épiler ou pas, grosso modo, la réponse qui ressort à chaque fois, la conclusion entre guillemets, c'est chacun fait comme il le sent. Sous-entendu, c'est pas un sujet important. Et puis chacun est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de jugement moral à porter là-dessus. C'est avec quoi je suis d'accord pour cette dernière question, mais le sujet n'est pas si anodin que ça, pas si peu important que ça. Déjà pour l'intérêt qu'il suscite, hein, le fait que ce soit un sujet récurrent, c'est bien que ça suscite un intérêt, ça pose des questions. L'ampleur du phénomène parce que il est devenu majoritaire. Et puis surtout, et c'est là-dessus que je vais articuler ma vidéo, ça touche à des domaines très importants de notre vie de tous les jours, de notre vie humaine, c'est qu'il touche à la physiologie et à la psychologie. Alors, concernant la physiologie, je vais commencer par en fait les conséquences directes de l'épilation, qui en gros on peut résumer ça comme une agression, enfin pour toutes ces méthodes, une agression généralisée et caractérisée de la peau, agression assez violente. Par exemple avec une des plus anciennes méthodes de l'épilation de la cire, on provoque tout simplement un arrachage du poil, mais ce poil c'est pas de la matière inerte, c'est un organe qui est rattaché à la peau, donc on arrache à la peau ce poil, donc ce qui est une grande violence et en témoigne la douleur qu'on ressent au moment de cet arrachage, l'extrême douleur. Alors on me dira oui mais avec l'habitude on s'habitue, ça fait de moins en moins mal. Ça résout pas le problème et au contraire ça le confirme, c'est à dire qu'on est confronté du coup à une insensibilisation de la peau qui perd sa sensibilité justement et qui se durcit quelque part un peu comme si elle se carapaçait ou qu'elle formait de la corne, justement parce qu'elle est soumise à une agression régulière. Donc c'est en soi pas bon signe. Méthode beaucoup plus moderne, le laser, qui est en fait un faisceau lumineux concentré qui va brûler, c'est du feu, hein, grosso modo, qui va brûler de manière précise la racine du poil. Sauf que quand on fait un feu, il y a toujours la chaleur qui est dégagée, on brûle aussi la peau autour, et d'ailleurs ça se sent. Méthode apparemment moins agressive, moins douloureuse, en tout cas de raser au rasoir avec une lame, et ben là si on va pas forcément sentir la douleur, de douleur forte, on va occasionner des micro-coupures dans la peau, des micro-ouvertures qui vont, en plus des effets toxiques des produits qu'on va pouvoir utiliser, que ce soit pour les dépilatoires ou pour les déodorants ensuite, qui vont les faire pénétrer plus profondément, va entraîner une série d'effets secondaires pas très agréables et des complications. En témoignent toutes ces rougeurs là où le poil a été enlevé, des fois des boutons, des éruptions cutanées, des poils incarnés par exemple, mais il va y avoir aussi des complications plus graves, genre infection. Avec cet exemple, c'était les maternités américaines, mais ça se fait aussi en France malheureusement, il y a eu cette idée pseudo-hygiéniste qu'il fallait épiler les femmes au moment de leur accouchement pour garantir plus de propreté, donc du coup de santé pour le gamin, etc. Et on s'est rendu compte, et ça commence à être abandonné, parce qu'on se rend compte en fait ça crée beaucoup plus de complications que si on ne faisait rien, du genre des infections, des herpès,
qui apparaissent, des mycoses, etc. Donc en soi, ce geste qui a des motivations pseudo-hygiénistes, je dis pseudo-hygiéniste parce qu'en fait c'est un hygiéniste qui ne tient compte que de la propreté. C'est quand on parle d'hygiène en général, on ne tient compte que de la propreté, pas du tout de nos besoins physiologiques et de nos fonctionnements physiologiques. Et ben cette motivation qui se veut hygiéniste, elle est infondée et puis du coup anti-hygiénique, anti-physiologique parce qu'elle est hyper agressive. Et finalement il y a une seule pratique qui semble non agressive pour sa propre peau, c'est la taille du poil au ciseau. On raccourcit le poil sans le couper à ras. Bon là c'est là pour le coup anodin, mais je vois pas l'intérêt parce que du coup pour l'autre et même parfois pour soi, un poil coupé pique. Donc au niveau douceur, sensualité, je trouve pas ça terrible. Mais du coup ce qui m'amène aux fonctions du poil, aux fonctions propres du poil qui sont souvent méconnues et qui sont pourtant importantes et du coup qu'on perd avec l'épilation. Donc déjà cette douceur dont je viens de parler qui tient en fait à la structure du poil, le poil s'affine, plus il s'affine, plus la partie fine devient souple et ce qui fait que un poil va être très doux s'il est entier. Et au contraire, va piquer dès qu'on va le couper parce qu'il va perdre la partie la plus souple. Plus la partie est longue et fine, plus elle va être extrêmement souple. Si on enlève ça, et ben on va se retrouver avec un genre de poil de brosse à dents qui va. Plus il va être court, plus il va piquer, plus il va devenir une aiguille en fait. Donc ce qui va être désagréable pour l'autre. Et je vais vous donner l'exemple de la barbe par exemple, où les nombres de femmes qui me font la bise pour la première fois sont hyper surprises. Fait, ah mais c'est tout doux, il y en a qui aiment bien et qui me le répètent à chaque fois, ah c'est agréable tellement c'est doux. Elle pensait que la barbe ça piquait en soi, non c'est la barbe de 3 jours, quand c'est rasé ça repousse donc ça fait des petits aiguillons, là ça pique, c'est super désagréable. Ou même quand on taille la barbe, parce que du coup c'est un peu moins piquant, mais on se retrouve avec des petits biseaux et plus cette souplesse du bout du poil. Donc en soi le poil est extrêmement doux et a une fonction très importante dans la douceur de la peau, et la peau est quasiment entièrement recouverte de poils, même si on les voit pas, même si sont microscopiques. Le visage par exemple, on est plein de poils, de tout petits poils blonds. Le poil est extrêmement important pour la douceur. Il a une autre fonction que j'appelle la fonction d'extension sensorielle, toujours dans le sens de cette douceur qui est agréable à l'autre, mais cette fois qui va être agréable pour soi, puisque le poil étant relié au nerf de la peau, par exemple avec un petit peu de vent comme aujourd'hui ou une caresse, un effleurement, ça va stimuler les nerfs de la peau, ça va être une sensation hyper agréable. Et puis ça va pouvoir avoir une fonction d'alerte, par exemple quand on va avoir un insecte qui va venir sur notre jambe, sur notre bras, etc., où il va se prendre d'abord dans les poils, il va faire bouger les poils avant d'atteindre la peau, ce qui va nous alerter avant que l'insecte, s'il est piquant, qu'il nous pique. Et ce qui nous amène du coup à cette fonction de protection de la peau, donc il y a cette fonction d'alerte, mais aussi justement ce côté, le poil en soi est un protecteur de beaucoup de choses, par exemple de ces insectes, mais par exemple aussi des frottements. Il va permettre de que la peau ne s'irrite pas à un frottement. Et ça va être par exemple la raison, une des raisons possibles de notre pubis poilu, avec ses poils particuliers par rapport au reste du corps et qui sont concentrés à cet endroit-là. Et bien ça, ce serait tout simplement, il serait apparu justement par notre manière de faire l'amour à l'humaine face à face. Et cette méthode surtout très sensuelle qui n'est pas le va-et-vient, sortir-rentrer, mais c'est ces mouvements de hanches qui sont beaucoup plus de la caresse où justement là les pubis vont se frotter. Et donc là ça va générer à la fois une protection de la peau parce que les deux peaux vont pas se frotter l'une contre l'autre, va pas y avoir d'échauffement, et puis en plus avec cette fonction d'extension sensorielle, le pubis aussi, la peau du pubis va être stimulée par ce mouvement des poils, etc. Donc ça va ajouter énormément de choses à la relation sexuelle par exemple. Et toujours dans ce sens-là, une chose qui est aussi complètement ignorée, une fonction très importante du poil, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo sur le frugivore marin, on a
pour la transpiration, les poils sont les plus efficaces justement pour qu'une peau glabre pour la transpiration justement parce qu'ils sont des diffuseurs. Cette fonction de diffuseur du poil est vachement importante puisque du coup, il permet d'économiser de l'eau. Et c'est, en général, on a ces poils-là dans les replis, là où il y a le moins d'air qui peut passer, donc il y a besoin d'aérer, de rafraîchir ces zones-là. Et puis, toujours dans cette dimension de diffuseur, et là on revient à la notion de sensualité, de sexualité, le poil est aussi un diffuseur d'hormones extraordinaire, vachement important, parce que il va pouvoir nous informer inconsciemment, sans qu'on s'en rende compte, des prédispositions d'un partenaire sexuel, même de son humeur, tout simplement. Et ces hormones sont vachement importantes. Elles vont avoir un rôle d'envoûtement amoureux, vachement important, dans le sens où, j'aime bien l'expliquer comme ça, si par exemple au moment où vous faites l'amour, mais vous avez un petit souci de la journée de travail ou je sais pas, qui vous obsède, qui vous empêche de vous détendre, vous allez sniffer un coup. Alors il y en a, c'est le pubis qui vont préférer, d'autres c'est l'aisselle. L'aisselle est vachement forte dans sa diffusion, ça peut être dans le coin de la nuque, derrière l'oreille, au niveau des cheveux. On va avoir un shoot d'hormones, grosso modo, de phéromones, je sais pas, il doit y avoir un mélange assez sympathique, qui va complètement, ça va générer beaucoup d'ocytocine, ça va nous faire lâcher prise d'un coup, et c'est une fonction qui est vachement importante, justement, quand il s'agit de se laisser aller à la sensualité, ce qui peut être rendu difficile, justement, par des journées de travail compliquées, des soucis quotidiens, etc. Donc, le poil, c'est franchement pas rien. Il a des fonctions importantes, très agréables. Et donc forcément, si on l'enlève, non seulement on se fait du mal, parce que c'est une agression, mais en plus, on perd énormément de choses vachement importantes. Alors concernant la psychologie, qui est peut-être la partie un peu la plus délicate à appréhender, je vais essayer de jouer à l'hygiéniste et de chercher la cause de cette épilation, de ce qui nous pousse à commettre cette torture de la peau et à perdre autant de bénéfices. Je vais revenir sur cette petite phrase du « chacun fait comme il le sent », qui doit certainement être là pour rassurer les gens. Non, il n'y a pas de jugement moral, on va pas vous engueuler si vous vous épilez, enfin, chez les naturistes en tout cas, avec ce avec quoi je suis très d'accord. Mais qui veut dire aussi, chacun fait comme il veut, on est libre, on peut choisir comme ça, personne n'a le droit de nous dicter notre conduite. Effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'on n'a pas le droit de nous dicter une conduite, mais de là à dire qu'on est libre, je crois que c'est pas si évident que ça, parce que ça ne tient pas compte d'énormément d'influences culturelles, qui du fait que ce soit culturel, on baigne dedans, on n'en est pas conscient, mais qui vont avoir un impact très très fort dans notre choix de nous épiler ou de rester tel que nous sommes. Et pour illustrer ça, je vais d'abord commencer par regarder un petit peu comment nos cultures considèrent le poil. Et en prenant le poil au sens symbolique, qu'est-ce qu'il représente symboliquement ? Le poil symbolise notre animalité, animalité qui est méprisée par le dualisme, dont j'ai amplement parlé, hein, le dualisme qui ne supporte pas que nous soyons des animaux. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que nous ne sommes pas des animaux, ou alors que nous sommes des animaux supérieurs. Et donc déjà, c'est quelque chose, le poil est porteur de ce mépris-là. Il est aussi le symbole de la maturité sexuelle, parce qu'effectivement, il se développe, c'est un indicateur de notre maturité sexuelle. Il se développe en même temps à notre puberté, donc c'est un indicateur. Avant ça, les enfants sont pas aptes à procréer, sont pas faits pour avoir des relations sexuelles. Sensuelles, oui, mais sexuelles, non. Et là, c'est une version plus tardive du dualisme, le puritanisme, qui va complètement pas supporter cette image, cette symbolique de la sexualité, puisque le puritanisme veut contrôler la sexualité de tout le monde. Et donc, ces diverses formes de dualisme qui ne supportent ni l'animalité ni la maturité sexuelle, enfin, ou la sexualité en tout cas naturelle, vont générer de manière volontaire ou indirecte la création de modèles, modèles artistiques par exemple, en tout cas modèles de représentation, modèles d'identification,
des modèles glabres, du coup, qui vont avoir une influence consciente ou non sur nous, parce que ça va être des modèles qui vont être valorisés socialement. Donc des modèles qui vont être supérieurs, on va dire, mis en avant de manière supérieure, qu'on est censé suivre. Mais puisqu'ils ne sont pas naturels et qu'ils sont supérieurs, ça veut dire que notre nature, notre représentation de nous-mêmes va être infériorisée. Donc on va avoir être marqué finalement sans le savoir, peut-être même sans le vouloir, c'est peut-être pas la volonté de l'artiste qui sculpte par exemple, mais cette représentation-là va nous inférioriser. Et je vais prendre quelques exemples, par exemple avec la statuaire antique, où les dieux et les déesses sont des figures humaines pleines de santé, parfaites dans le sens de physiologique. Hein, c'est pas une, pour le coup, c'est pas une des formes générales qui sont en dehors des possibilités humaines. Mais par contre, ce sont des elles sont quasiment glabres. Il n'y a pas de poils sur les torses, sur les dieux. Les déesses n'ont même pas de poils au pubis. Et les seuls poils qui vont être acceptés, ça va être les poils de la tête, parce que justement, ils sont les poils de la partie supérieure de la tête, à une condition, c'est que la barbe soit taillée et que les cheveux aussi soient coupés, ou alors chez les déesses, soient tressés, coiffés de manière très contrôlée. On va avoir quelques exemples de dieux velus, par exemple, avec Pan, mais là, c'est déjà tout de suite des dieux inférieurs, ce sont des dieux plus anciens, des dieux de la nature, qui sont méprisés, qui sont combattus par les dieux de l'Olympe, les dieux de la tête. Plus proche de nous, on va avoir un effet du puritanisme cette fois, sur la presse et le cinéma, qui vont là aussi impacter inconsciemment nos idéaux, nos modèles de représentation, nos projections, nos désirs. Je vais commencer avec cette anecdote, cet exemple des revues naturistes, des premières revues nudistes en tout cas, où on représentait en couverture, pour illustrer toute la pensée gymnosophique de la santé par la nudité, par l'activité physique, par l'alimentation saine, on voyait des gymnastes nus, nudité frontale, donc on voyait, enfin il n'y avait rien qui était caché, c'était ce sur quoi voulaient travailler les gymnosophes, c'est-à-dire décomplexer cette nudité pour qu'elle redevienne normale, pour qu'elle ne devienne plus obsessionnelle, et puis montrer à quel point elle peut être bénéfique pour la santé. Et là, alors là, tollé général de la censure, c'est même un autre naturiste non nudiste qui les a dénoncés, qui a porté plainte. Du coup, ils ont été obligés, alors qu'il y avait des revues à côté érotiques, pornographiques de l'époque, donc beaucoup plus soft qu'aujourd'hui, mais où les représentations étaient tout à fait explicites sur la sexualité. Là, la censure puritaine s'est dit « Ah non, pas de poil, le poil c'est sexuel ». Et donc les revues se sont faites interdire dans un premier temps, et puis pour pouvoir redevenir publiables, il a fallu effacer les poils. Et donc, gommage sur la pellicule. Et puis, y en a même qui allaient jusqu'à demander à leur modèle de s'épiler. Ça leur faisait moins de travail, juste une fente à gommer plutôt que tout un pubis. Et ce qui déjà a déformé l'image que voulaient rétablir les naturistes. Et ce qui montre déjà d'une part la bêtise et puis l'hypocrisie de la censure puritaine. Et puis dans le cinéma, après la Seconde Guerre mondiale, on n'a certes pas parlé allemand, mais par contre on a bouffé de la culture américaine à fond, et notamment par le cinéma hollywoodien. Et le cinéma hollywoodien était encore plus marqué par la censure puritaine que le cinéma européen. Et avant ça, on avait l'habitude des actrices de leur voir des poils, les belles actrices italiennes qui étaient admirées par tous. Là, on a eu le modèle supérieur américain, avec des actrices et des acteurs qui ne pouvaient plus représenter de poils, parce que c'était justement cette censure puritaine qui voulait effacer les connotations sexuelles. Et donc on a ces super belles actrices américaines, mais sans poils. Et même, pour prendre un exemple très caricatural d'acteur américain, Johnny Weissmuller, qui a joué Tarzan, l'homme des bois, l'homme sauvage,
Eh ben non, en plus de son ridicule string panthère, ben il était complètement épilé du torse, pas de barbe, et cheveux coupés, nickel, quoi. Enfin, c'est... Et donc, on a bouffé de ces modèles-là, qu'on a pris en admiration, et donc, du coup, qui ont contribué à nouveau à peupler notre univers mental et à devenir nos schémas de représentation, schémas de projection et les schémas auxquels on veut ressembler, nous. Et puis, il y a une autre chose, une autre motivation, parce que là, on est dans la représentation, on va dire, intellectuelle, dans la mentalisation du schéma corporel. Effectivement, on ne peut pas se voir soi, donc on se projette toujours à l'extérieur. Il y a autre chose, un autre conditionnement encore plus fort que cette notion de modèle, et qui là est véhiculé justement par ce pseudo-hygiénisme dont j'ai parlé. Pseudo-hygiénisme qui non seulement ne considère que la propreté apparente et pas du tout les fonctionnements et les besoins physiologiques, mais surtout qui va faire porter le chapeau au poil d'une saleté, d'une puanteur dont il n'est pas responsable, parce qu'elle vient tout simplement de l'intérieur du corps. Et donc si on veut plus puer, ça sert à rien d'enlever les poils, ça va rien changer. Il faut prendre une démarche hygiéniste complète, donc repenser son mode de vie, son alimentation principalement, parce qu'énormément de choses qu'on mange sont nocives et donc du coup doivent être expulsées d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, émotionnellement, ce pseudo-hygiénisme va avoir un impact extrêmement fort, puisque en faisant porter sur le poil cette saleté, cette puanteur, et c'est une chose qui remonte à très loin et qui découle très certainement du dualisme qui supporte pas l'animalité, la barbarie, ça doit découler de ça, et ça date d'au moins la Renaissance, peut-être Moyen-Âge, peut-être même encore avant, ce pseudo-hygiénisme. Et ben ça va générer du dégoût sur le poil. Et là, je voudrais porter votre attention sur l'extraordinaire force de ce dégoût, l'impact extrêmement destructeur sur notre amour propre de ce dégoût. Dégoût qu'on va pouvoir avoir sur soi-même, mais auquel on va pouvoir être confronté, dégoût de la part des autres. Et ce dégoût-là est hyper destructeur, et d'autant plus destructeur si on n'en est pas conscient. Parce que avec ce dégoût, le dégoût, c'est donner l'envie de vomir. Or là, il s'agit de la sexualité ou de la sensualité, et avoir envie de vomir, ça n'a rien à voir, et ça empêche justement toute relation, et ce qui fait que ce dégoût va faire quelque chose de très catastrophique pour tout un chacun, c'est qu'il va faire qu'on n'est plus désirable. Et ça, c'est vraiment abominable, et c'est même insupportable. Et pour que vous mesuriez un peu, parce que c'est insupportable, c'est abominable, mais on ne mesure pas assez la portée de cette chose-là. Je vais donner l'exemple d'une amie rencontrée cet été dans un camping naturiste, et alors qui est tombée en admiration devant ma compagne, qui est une femme très belle, mais qui a tous ses poils, qui n'est pas du tout épilée. Et qui est là-dessus, elle a tilté, elle a fait mais oui, mais pourquoi je m'impose cette torture, etc. Donc, comme elle est très, très féministe, elle ne pas se laisser marcher sur les pieds, elle fait allez, j'arrête de m'épiler aussi, il n'y a pas de raison. Et puis bon, bah, l'été s'est terminé, on est rentré chez nous, elle est rentrée chez elle. Et quelques mois après, elle nous appelle, elle fait c'est pas possible, là, j'ai craqué. J'étais anti-épilation, puis là, je suis obligé de m'épiler. Elle nous a expliqué. Dans la rue, quand elle était en débardeur par exemple, les gens la regardaient comme un monstre, quoi. Elle s'est sentie monstrueuse, alien, donc déjà insupportable. Et puis ses compagnons ne la désiraient plus, ne pouvaient plus, il y avait un blocage, ils ne pouvaient plus la désirer. Ce qui a été, elle a fait, mais c'est insupportable, j'ai besoin de vivre. Et du coup, elle a continué à s'épiler, à se faire du mal ensuite, elle est obligée en plus pour des raisons de boulot, etc. Ce qui est déjà révélateur. Du coup, elle s'est rendue compte, l'avantage, c'est qu'elle s'est rendue compte de la violence sociale qui repose en partie, du coup, sur cette infériorisation du poil et du corps naturel, et puis surtout sur ce dégoût, cette répulsion du poil dont on mesure mal la force.
Et du coup, en plus, on pourrait dire aujourd'hui, oui, mais l'art s'est quand même vachement libéré depuis les années 70, etc. Ces dualismes puritains, etc., n'ont plus cours. Effectivement, la religion a perdu du terrain, les grandes idéologies aussi. Mais par contre, il y a quelque chose qui a récupéré le bébé et qui en met une couche encore plus vicelarde, c'est le commerce. Parce que le commerce, il en a rien à foutre de savoir si on est des animaux ou pas, si on doit être libre sexuellement ou pas. Ça, il en a rien à foutre du moment qu'il peut faire du pognon. Et il y a un truc sur lequel il peut faire le pognon, c'est les cosmétiques. Et alors, pour vendre, ah ben là, il s'emmerde pas. Hein, il faut que tout est bon, y compris toujours ruiner notre amour propre. Alors, il va pas être direct en disant vous êtes inférieur, il faut vous épiler. Il va utiliser d'un langage encore plus sournois qui va faire passer toutes ses idées de manière inconsciente en disant, par exemple, en ayant ce genre de langage, des fois en récupérant le discours féministe, en disant « la femme est libre d'être belle ». Vous voyez tous les sous-entendus qu'il y a derrière. La femme n'est pas libre si elle est naturelle. Ça veut dire qu'elle est soumise. Et si elle ne s'épile pas, ses poils sont moches. Elle est moche par nature, quoi. Et il y a toute une série de campagnes comme ça, hyper sournoises, qui viennent... Alors que justement, avec ces années 70, on s'est mis tout nu, tout le monde était poilu, tout le monde était content. Là, le commerce est venu nous remettre une bonne dose. Et une dose encore plus forte, du coup, parce que ça va générer quelque chose. Du coup, ça va avoir un impact très fort, d'autant plus si c'est inconscient. Et inconscient parce que, justement, cette douleur... Cette chose effroyable que d'être dégoûtante, on va vite le refouler, tellement c'est insupportable, on peut pas vivre avec. Ça va générer cette épilation. Alors je pense pas, contrairement à ce que disent certains, que l'épilation soit de l'exhibition sexuelle, une hypersexualisation, ou une volonté d'infantiliser l'autre, ou dans le même sens, une tendance pédophile inavouée. Je pense pas du tout. Je pense que c'est tout simplement, après tous ces siècles de puritanisme, on a ce grand besoin de se réapproprier notre corps, ce qui est tout à fait légitime. On a ce besoin de se réapproprier sa sexualité qui est vachement importante dans notre équilibre général, qui a une place vraiment importante. Et ça, c'est tout à fait légitime de vouloir se la récupérer. Sauf que s'il y a du dégoût, on ne peut pas être bien dans sa peau si on a du dégoût de soi-même. On ne peut pas s'épanouir si on dégoûte les autres. Et puisque tout ce mécanisme, on garde cette idée que le poil est dégoûtant, inférieur, qui c'est un truc à se débarrasser, et bien effectivement, on va tenter très fortement de se débarrasser de ce poil puisqu'il est porteur de ce dégoût insupportable. Et du coup, je trouve que finalement, alors que comme vous pouvez le voir, je suis contre l'épilation, je considère que quelque part c'est une démarche saine. Le problème, c'est qu'elle n'est pas consciente de tous ces conditionnements, de tout cet impact culturel, émotionnel, intellectuel dans lequel on baigne. Et donc, je trouve que ça part d'une démarche saine, sauf que bon voilà, ça a les conséquences physiologiques dont j'ai parlé. Et puis, ça ne fait qu'entretenir ce modèle pathogène. Et là où ça m'inquiète le plus, surtout chez les naturistes, c'est que ce modèle, déjà quand on est adulte, on le gobe sans s'en rendre compte, mais du coup les enfants, les ados, le gobent encore plus, parce que d'autant plus ils vivent au milieu de gens nus et glabres, ça va être leur modèle de représentation. Et les enfants qui sont hypersensibles, les ados aussi hyper fragiles, et ce qui peut occasionner une grande violence de leur part d'ailleurs, alors que le nudisme était fait pour justement dissoudre les complexes qui nous empêchent de vivre, de nous épanouir, on va continuer à en générer un chez eux, que ce soit chez les naturistes ou chez les gens non naturistes, qui bouffent du porno parce qu'ils n'ont accès qu'à ça. Et d'ailleurs, je pense que les libertins et le porno, à la base, l'épilation, le modèle épilatoire, c'est justement pour se défaire de ce dégoût et se rapproprier la sexualité. Après, ça dégénère comme ça veut, mais bon, ça, c'est une autre question. Mais du coup, ce que cette amie a ressenti d'être un monstre, d'être monstrueuse, d'être dégoûtante, d'être... du coup, cet amour propre brisé, imaginez l'impact que ça peut avoir pour les enfants. Et pour illustrer mon propos... De,
pour illustrer cette inquiétude que j'ai, je vais vous expliquer un petit peu, je vais citer quelques exemples de réactions d'enfants ou d'ados vis-à-vis de ma compagne. Chez les hommes, c'est encore à peu près accepté qu'on ait des poils, etc. Même si ce dégoût commence à gagner beaucoup d'hommes aussi. Mais par exemple, ma compagne, donc, comme je disais, qui n'est pas épilée du tout, on a surpris des regards d'enfants, intrigués, même gênés, parce que il y avait des poils là où vous n'avez pas l'habitude d'en voir. Et même une fois, il y a une gamine qui me disait « Ah, ta compagne, elle est vraiment belle, elle est magnifique. Hein. » Bon, ça, c'est dommage pour ses poils, Berk. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du schéma qu'ils vont avoir d'eux-mêmes quand ces gamins vont avoir eux-mêmes des poils. Le dégoût leur est transmis. Et même des ados qui, eux, chez les naturistes, sont hypersensibles. Donc là, ils sont... Disons que quand ils n'ont pas encore la conscience de leur sexualité, etc., du désir de l'autre, les poils poussent, ils se posent pas la question. Puis dès qu'ils se posent la question du désir de l'autre, alors là, ils le sont tous, peut-être encore plus que les... ils s'épilent tous encore plus que les... surtout quand il y a le phénomène de groupe, encore plus que les adultes. Et ma compagne a surpris des discussions d'ados sur elle. Je disais, par contre, t'as vu ces poils, putain, ça craint. Ah, c'est dégueulasse. Ah. Voilà. Disons qu'elle sait que je l'aime comme ça, donc elle peut se raccrocher à ça. Et puis elle veut plus vivre cette souffrance, cette atteinte à son corps. Mais c'est vrai que du coup, dans la rue aussi, elle s'habille, même en été, pantalon, manche longue, etc. C'est juste bien la violence de notre société, la violence de ce jugement. Qui crée énormément de dégâts et qui du coup pousse en soi et qui est entretenu par le commerce, par la pub, etc. Et donc qui pousse à l'épilation. Donc du coup, ce chacun comme il le sent, il est bien intentionné. Mais il ne se rend pas compte de tous ces conditionnements et de leur impact majeur. Alors en guise de conclusion, pour une fois, je vais vous inviter, vous exhorter vraiment à changer vos conceptions du monde. Dans les autres vidéos, je vous propose ma vision, etc. Mais là, vraiment, je vous invite à remettre en question ces modèles-là dont on n'est pas responsable. Mais il faut déjà conscientiser tous ces conditionnements, tout cet impact, ce poids culturel dans lequel nous baignons. Et il faut vraiment déconditionner tout ça. Non seulement pour soi, parce que ça nous meurtrit et puis on perd énormément de choses, on se fait du mal et on perd énormément de choses importantes. Et puis aussi peut-être encore plus pour les autres, en particulier ceux qu'on aime. Parce que sans le vouloir, sans s'en rendre compte, on se fait les véhicules de ce dégoût et on est porteur de ce regard destructeur sans le vouloir, y compris pour ceux qu'on aime, que ce soit nos amoureux, nos enfants, etc. Et donc, sans le vouloir, on véhicule ces images dégradantes, insupportables, vraiment infernales. Et là, je vous exhorte vraiment, c'est important de déconditionner ça. Tout le monde s'en portera beaucoup mieux. Alors, c'est pas forcément facile, parce que ça demande un effort, on baigne dans ce bain de dégoût, donc faut arriver à s'en défaire. Je vous parle pas de surmonter un dégoût ou un complexe d'infériorité, parce que le surmonter, il est toujours là. Je parle vraiment de le déconditionner, de le démonter, de regarder à quel point il est faux, à quel point il est pathogène. Et si ça peut être difficile, je peux vous garantir qu'il y a tellement à y gagner au niveau du bien-être pour soi, de sa propre santé, mais tout ce qu'on va gagner au niveau dans la relation à l'autre, au niveau de la sensualité, c'est le poil est vraiment un univers à redécouvrir et un univers merveilleux parce qu'il est en soi, merveilleux. C'est un organe vachement important. Et donc, je vais reprendre à mon compte cette symbolique de l'animalité, de la sexualité concernant le poil, mais j'essaie de la retourner. Ça sera une petite aide en plus de tout ce que je vous ai présenté pour essayer de le voir sous un autre jour. Oui, il est le symbole de notre animalité. Mais si on regarde bien, le poil n'est pas le symbole de n'importe quelle animalité.
les symboles, il n'est pas le symbole des reptiles, par exemple, il est le symbole des mammifères. Mammifères, c'est cette classe d'animaux, cette catégorie d'animaux dont les mères portent leurs petits dans leur ventre. Donc qui crée déjà une relation symbiotique, osmotique extrêmement forte dès la conception, que n'ont pas les ovipares par exemple, et relation qui va être prolongée par l'allaitement. Relation de douceur, d'empathie, de sociabilité. Et l'espèce humaine, parmi ces mammifères, j'ai envie de dire, c'est un peu le mammifère des mammifères qui va développer au plus ses qualités de mammifère. Parce qu'il va avoir besoin toute sa vie de sociabilité, donc ce qui va lui donner ses qualités d'empathie, de respect, d'amour, d'attention de l'autre. Donc, le poil, symbole de l'animalité et symbole de notre humanité animale, je trouve qu'au contraire, c'est un très très beau symbole qui ne mérite pas le mépris. Puis la sexualité, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est le symbole de la maturité sexuelle. Mais du coup, c'est cette sexualité humaine, un peu perdue aujourd'hui, mais qu'on gagnerait à redécouvrir. Cette sexualité qui, en fait, condense toutes ces qualités humaines, ces qualités de douceur, d'attention de l'autre, d'empathie, de sensualité, etc. Et en plus de ces qualités propres qui vont dans ce sens d'empathie, de douceur, etc. Là encore, le poil est un merveilleux symbole, symbole de choses merveilleuses et en soi un organe merveilleux. Donc, cette démarche de remise en question de ce bain culturel dans lequel on baigne, dont on est victime, qu'on bouffe sans le savoir et qu'on transmet sans le savoir, elle me fait penser, qui est pourtant très importante, parce qu'on a vraiment énormément, mais de manière personnelle, de manière collective, énormément amoureuse, au niveau de la sensualité, etc. On a énormément à y gagner, à récupérer surtout. Elle me fait penser à cette démarche gymnosophique qui propose de rééchelonner ses goûts esthétiques et qui propose vraiment de le faire. On dit que les goûts et les couleurs, ça se discute pas, mais pourtant ça se conditionne et ça se déforme. Donc on doit pouvoir en discuter pour au moins retrouver nos goûts naturels. On a des goûts différents, naturellement, qui sont conditionnés par nos natures. C'est très bien comme ça. Mais par exemple, être dégoûté par le poil, c'est, j'ai envie de dire, antispécifique. C'est pas logique, c'est pas naturel. Et cette démarche gymnosophique proposait de rééchelonner la beauté sur la santé, qu'on considère comme beau ce que reflète la santé. Et la santé, c'est l'épanouissement de notre nature. Et dans cet épanouissement de notre nature, le poil, il y a une place très importante. Donc là, c'est cette proposition gymnosophique de réintégrer le poil en enlevant tout le dégoût qui est injustifié, qui est dessus de l'infériorisation, qui est complètement injustifiée, et le rétablir, le réhabiliter pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il symbolise, pour tout ce qu'il a de beau. Et je vais vous parler un petit peu, moi, de mes goûts, où je suis passé par cette réhabituation, où j'avais proposé à ma compagne, non, je veux t'aimer comme tu es, donc tu es... garde tes poils, je t'aimerai avec et je veux t'aimer avec. Et donc j'avais cette démarche volontaire, mais du coup c'est devenu à nouveau une habitude. Tout ce que j'ai gagné avec, je ne peux pas revenir en arrière. Et maintenant, ça me paraît évident qu'une femme ne peut pas être belle sans ses poils, ne peut pas être aussi belle, et qu'une femme est merveilleuse avec ses poils, parce que c'est l'entièreté de sa nature et tout ce que ça symbolise. Et pour prendre l'exemple inverse, je pense qu'une femme ne peut pas être aussi belle qu'avec ses poils, donc dans son entièreté. Tout simplement pour ces deux raisons, que avec ce dégoût, cette infériorisation, elle est victime de deux souffrances. Et la nature qui souffre n'est pas belle à voir, n'est pas aussi belle à voir que quand elle est épanouie, quand son harmonie rayonne. Cette souffrance physiologique de sa peau qui souffre, même si c'est inconscientisé, parce que des fois il y a des choses tellement douloureuses qu'on les refoule, donc on se coupe d'une partie de soi-même. Et ce dégoût, cet amour propre en berne, comme ça, ne peut pas permettre à quelqu'un de rayonner, d'être bien dans sa peau. Donc voilà, c'est comme ça que j'explique le fait que je ne puisse pas retourner en arrière, et que j'ai l'impression, quand je me retrouve face à des femmes épilées, pour les hommes j'ai moins de sensibilité, mais ça c'est autre chose, j'ai l'impression d'être devant un désert, et un désert de souffrance. Alors que quand les rares fois où je peux voir une femme non épilée, et puis qui se sent bien comme ça, que ça ne pose aucun problème, qui ne se sent pas sale, c'est tellement beau à voir, ça fait du bien au cœur. Et donc autant, je vais conclure là-dessus, ce dualisme puritain et non puritain,
qui méprise notre animalité et notre sexualité à travers le poil. C'est juste une injure, une insulte infondée à notre nature, à la beauté de la nature, à nos vies. Ce sont des mensonges, des injures. Et si le poil a été l'objet de nos hontes, eh ben, moi je vous invite à reconsidérer les choses de manière à ce que le poil redevienne au moins un petit peu l'objet de notre fierté, parce qu'il y a vraiment de quoi en être fier. Voilà, allez, à bientôt.